Sapna, c'est moi le professeur. J'ai le regret de t'informer que je ne t'aime plus. Laisse-moi essayer. Je trouve que tu as une trop grosse paire de lunettes et que tu sens la poubelle. Désolée d'être si méchant et grossier, mais ma puce, tu connais la vie. Voilà une vidéo d'un hamster qui se promène sur un chaton. Tu trouveras le formulaire de rupture en pièces jointes. Signe-le et renvoie-le-moi dans les 5 jours ouvrables. Adieu pour toujours. Sayonara. Parfait. Oh, Sapna, pourquoi tu m'as quittée? Professeur, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai bien peur que Sapna et moi, ce soit fini. Oh, Sapna. Venez les filles, réunion. Je crois qu'on a fait une bêtise. Et si on disait à Sapna qu'on est désolé? Oh, on est obligé. Oh, Sapna. Oui, on est obligé. C'est si dur de se retrouver seule. Je veux dire, je croyais que c'était le bon, tu sais. Oh, pourquoi je te parle de ça? Tu dévores tes petits amis. Mademoiselle Nero? Oh, les filles, qu'est-ce que vous faites là? Je ne cherchais pas du tout de conseils sentimentaux auprès d'une araignée, vous savez. Mademoiselle Nero, on a un aveu à vous faire. C'est nous qui avons écrit ce mail, pas le professeur. On est désolés. S'il vous plaît, allez le retrouver, s'il vous plaît. Oh, les filles, je savais que vous aviez écrit ce mail. C'est vrai? Oui. En dehors du fait que ça ne ressemblait pas au professeur, il n'utilise jamais ces caractères-là. Ah, mais ce n'est pas pour ça que j'ai rompu. C'est... plus compliqué. Mais le professeur vous aime vraiment. Il a même écrit une espèce de chanson ridicule sur vous. Oh Sapna, parle-moi des rayons gamma. Sans toi dans mon univers, ma vie tourne à l'envers. Oh, je vous en prie, c'est pas si mauvais. Vous ne comprenez pas. Non, vous ne comprenez pas. Le professeur est amoureux de vous. Ma racine carrée de deux, je perds ma puissance et ma joie quand je suis loin de toi. Professeur! Oh, est-ce que c'est Sapna? Sapna, on sait que vous aimez le professeur, mais vous ne pouvez pas continuer à terroriser Townsville. On pense que vous êtes quelqu'un de gentil. Sapna, est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Oh, Sapna, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu te transformais parfois en monstre? Je suis désolée, je voulais le faire. Seulement, la plupart des hommes sont effrayés quand je deviens une araignée géante. C'est comme quand le petit embout en plastique de nos lacets s'en va et qu'on ne peut pas le remettre dans la chaussure. Mais là, on peut essayer de réparer avec du ruban adhésif, mais ensuite le... Tout ça n'a pas d'importance pour moi. On pourra essayer d'arranger ça ensemble. Non, on ne pourra pas. Tu ne comprends pas. Il y a eu un accident dans mon labo. Et maintenant, quand je rencontre quelqu'un que j'aime, je deviens une araignée géante. Je n'ai jamais voulu te mettre en danger. Tant que je n'ai pas trouvé de traitement, je ne peux pas être avec toi. Je suis désolée. Sapna, attends. Oh, professeur! Vous avez un labo pour ça? Oh, je suis désolée, je dois m'en aller. Sapna. Comment vous vous sentez, professeur? Oh, je vais bien, les filles. Si on regardait un film? Je vais chercher les encarts. Je vais manger les encarts. J'arrive tout de suite, les filles.